Ah, coucou tout le monde, c'est Fixbaldos, on se retrouve pour un énième épisode sur Armello, oh, je kiffe sa mère. La dernière fois, nous avions fait une partie avec Ambre du clan du Lapin, et aujourd'hui, nous commençons une nouvelle partie en retournant aux origines avec Rive du clan des Loups. Il me semble que j'ai un skin, ouais. Et ben, on va jouer avec le skin, parce que j'adore le skin, et que voilà. Alors, Rive. Qu'allons-nous prendre? Confère furtivité, ça sert à rien. Enfin, du moins, ça sert à rien. Ça sert à rien, enfin, voilà quoi. Magie, bof, pas trop. Or, à toutes les morts provoquées en bataille, pénalité des montagnes s'applique plus 3 de combativité quand vous avez moins 3. Ah, j'ai un doute. On va prendre Rubline. Allez hop, c'est parti. Et nous prendrons 3 cartes, ça a l'air largement suffisant. Voilà, on va prendre la combativité. Et c'est parti, allons détrôner le roi. Ah, on est deux du clan du loup et deux des clans du lapin. C'est pas mal ça. D'ailleurs, c'est vrai, c'est dans mon délire, ça, c'est deux de mes clans préférés en fait. Pour ce qui est du lapin et Tan. Ouais, étant un peu à cheval sur l'écriture, je me suis mis à faire quelques petites fanfictions dessus. Et en fait, vous savez, mon délire, c'est que le clan du lapin et le clan du loup, c'est quand même... Ça envoie du pâté lourd, on va dire. Bien, alors, nous nous retrouvons pour détrôner ce petit roi avec... Ah, les cuisses, ça peut être pas mal, ça, par contre. Les bottes ailées. Mais les bottes ailées, du coup, ça pourrait remplacer l'anneau que j'ai laissé tomber, en fait. C'est... Alors, plus un bouclier. Plus un de précis jusqu'à la fin du premier jour. Donc, on va d'abord commencer par prendre ça. On sait jamais, on peut changer par la suite, c'est pas... Un peu d'argent. 2, 3, et ben on va attendre maintenant. Voilà. Et puis voilà. Alors. Est-ce qu'on peut essayer de faire une petite alliance avec Tan, non? Ouais, mais après faut qu'il reste en vie, que je reste en vie, parce que aussitôt qu'on meurt, l'alliance est défaite. Ça c'est un peu chiant. Ah merde, en fait je suis sur une ruine et c'est le soir. Et il y a de fortes chances que un fléau apparaisse. Bien évidemment. Aïe 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 aïe. Ah, ça sentait tellement à 30 km. Bon, on fait un test. Alors, je ne le tue pas, mais je vais pouvoir le tuer par la suite. Par contre, je perds. Du coup, je perds... merde, pourquoi j'ai utilisé ça? Voilà, le passif de Rive, c'est que... Elle peut donner... Elle enlève un point de vie avant d'entrer en combat. Ça, c'est plutôt worse. Non, mais c'est une blague. C'est une farce. Putain, j'y crois pas. mon dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon bah, on retente le coup. Je suis... Ah non, pas de déclin. Ah non, 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 non. Quoi? Non. Le déclin. Normalement, t'as rien. Oh. Merde. Alors, je suis en train de me demander, en fait, si c'est une excellente... Alors, 1, 2... Il y a peut-être moyen, du coup, quand l'aube va se lever, de passer les montagnes. C'est la première fois que ça m'arrive, autant de fléaux d'un coup. Mais bon, c'est pas si mal, du coup, j'obtiens pas mal de prestige pour l'instant. Ce qui fait que je dois en avoir plus que la... Ouais, c'est ça, je suis héros de prestige. C'est pas si mal. Alors, voilà. Bon, j'espérais que ce soit celui-là, parce que le thé aux perles, j'en ai besoin, et enflammé également. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah oui, elle avait une quête ici. Donc, alors, qu'est-ce que le roi nous propose comme... Enfin, qu'est-ce que nous allons proposer au roi comme loi? A new declaration. What suits?
Il offre 4... Oui, non. Je n'ai pas envie. En fait, c'est un peu débile, ça. C'est... Quoique c'est débile, c'est un jeu de challenge, mais... Il propose... Enfin, c'est le héros de prestige qui propose de mettre une prime sur sa tête. Comme ça, tous les gardes, tous les autres héros vont converger sur lui. Après, il faut vraiment être sûr de tenir le coup. Alors, on va prendre lui. Je ne peux pas. Très bien. Alors, en espérant que là, c'est... Alors, ce soit de l'argent et pas un fléau. C'est de l'argent, très bien. On monte. On se le prend. Et on laisse un peu de place pour les bots si jamais on parvient à les avoir. Surtout ça, le truc. Par contre, j'ai peur pour Ambre parce qu'elle est à côté de moi, mais théoriquement j'ai un bouclier de plus. Voilà, si elle m'attaque, vu que je suis dans une montagne. Ok, elle veut pas. Non, c'est dans une forêt, il me semble, maquette. J'espère que c'est pas dans un marais. Oh, mais what the. Mais est-ce que c'est possible d'être aussi chanceux? D'abord Tan, puis Ambre. On a notre barabé également parce que j'ai pas fait le tour des présentations, mais bon, c'est. Voilà, force commence à les connaître, je pense. Comme moi. On va prendre ça. Alors. Ah, il y a un truc pour. Moins 2 de santé. Je veux vraiment le tenter. Parce que ça peut vraiment être sympa. On croit au Wild. Et c'est. Oh là là, on a bien fait de croire au Wild, messieurs. Nous avons les bottes qui permettent de. Ne plus utiliser 2 points de. De points d'action dans les montagnes et qui ne fait plus perdre de PV, il me semble, dans les marais. Attends, j'ai le nez qui chatouille. Oh, c'est horrible. Alors, on a l'explorateur. Plus d'or et de magie quand vous explorez. Le bâton de Wild. Le bâton de Will, en fait, c'est de la magie. J'utilise pas vraiment de magie. Enfin, j'utilise pas souvent de la magie. Ouais, pourquoi pas, allez. On va se prendre l'explo. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec le passif de Reeve, il fonctionne normalement également sur le roi. Ce qui fait que là, je vais attendre tranquillement. Contrairement aux autres, avec aux autres héros où j'essaie de me dépêcher, je vais attendre tranquillement que le roi se meurt. Et on va tenter du coup de lui retirer sa couronne avec le passif de Reeve. Ah oui, aucune bataille n'est permis. Oh allez hop, avec un peu de chance. Alors je sais plus si... Ouais, parce que j'ai peut-être pas dû... Je sais plus si c'est seulement pour le gars qui attaque ou si c'est également pour le gars qui est attaqué. J'ai un doute. Il me semble que la dernière fois que j'avais fait ça, j'avais été désagréablement surpris. Mais bon. Alors est-ce qu'il y a moyen? Bon bah c'est pas grave du coup. J'aurais dû faire ça avant. Alors est-ce que si je monte... Parce qu'il y a le garde qui est là, il y a Anne qui est là. Bah, du coup, je viens de consolider un piège. Comment qu'on fait? Bah, on va monter. On va se prendre la ville qui est là. Ah non, merde, non! Pas l'étranger! Ah, j'ai totalement zappé qu'elle avait l'étranger. Oh là là. Ah, j'ai reçu un compagnon. J'aime bien, il vient de... C'est vraiment n'importe quoi, ça. Alors, attendez. Il me semble... Alors, il l'a pas mis, c'est en étrange. Il l'a pas mis. En fait, je me demande si les... L'IA est capable de se mettre... Il est capable de se mettre les objets, ça, d'accord. Est-ce qu'il est capable... De mettre... Des compagnons? Ça, j'en ai aucune idée. Normalement, oui. Non, ce serait débile. Ce
serait très très débile sinon. Arise, Black Beast. Black Beast. C'est vraiment une ruse. Alors, normalement, si je fais ça, voilà, j'ai plus la pénalité. Vous l'avez bien eu. Toc. Et là, normalement, j'ai pas la pénalité non plus. Voilà! C'est pas OP, c'est bot quand même. C'est un peu trop OP même. On va essayer de garder mes arrières. En espérant que le garde là bouge. Ce qui pourrait être pas mal. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils se croient? Ils sont. Ouais, ils sont encore dans le. Dans le délire du. Bah du coup, alors, on va attendre l'aube, et comme ça il y aura une nouvelle loi et donc on pourra attaquer de nouveau les. On pourra attaquer de nouveau les héros, les gardes, tout ça, sans avoir de prestige en moins. Et pour l'instant je suis le premier. Wow, attendez, c'est un peu. Bah du coup il s'est fait avoir. Et en plus oui, il a attaqué dans un marais. Il est vraiment pas très stratège. Pas très stratège le Kiki. Ah vache, comment c'est ça qu'il a autant de vie? Héros de prestige, c'est toujours moi, quoique Ambre me talonne. Elle a une petite prime, ça ferait zizir de la voir. Paye 2 en or, sinon subisse mon dégât. Moi je peux. Je préfère pas perdre d'objets. Surtout que si ça tombe sur les bottes. Alors je sais plus comment s'appellent les bottes. Voilà, je préfère les garder. C'est un gros gros plus quand même, ces objets. Ces objets. J'espère juste que le garde. Voilà, il se barre. Ok, du coup, il me libère. Ma quête. Oh, attendez, je suis en train de me demander un truc là. On prend ça. Je suis en train de me demander un truc. Ah merde, moins de 2 de santé. Faut que je me rapproche du coup. Moins 1 de santé pour l'explorateur. Non, en fait, non, du coup, je ne tente pas. Je vais essayer de varier un peu, oui, comme ça. De toute façon, je gagne quand même un. Je gagne quand même un prestige, donc du coup. Oh, really? Ready? Attaque. Alors, on va brûler ça. Alors j'aurais bien aimé également un peu de. Aïe. Alors est-ce que je tente de nouveau d'aller dans le. D'aller là-dedans. Allez, on est fou. Ah, il m'aime pas beaucoup. Il m'aime pas beaucoup. Ça m'attaque encore une fois. Ok. On va peut-être arrêter de jouer avec la mort. Parce que. What? J'ai gagné. Ah oui, c'est vrai, j'ai moins de 3 de. On va utiliser ça parce que. Un prestige pendant un tour. Ça peut être worse dans certains cas, mais là pour l'instant je vois pas en quoi ça peut être intéressant. C'est vrai que j'ai la bague qui permet d'avoir 3D en plus. Si voilà, si. Ah du coup c'est pas mal, je suis en train de farmer les fléaux là. C'est pas si mal que ça en fait. Alors, juste. Ok. Qu'est-ce qu'il me propose? La cape miroir. Ou le forgeron. On va prendre le forgeron. La cape miroir peut être intéressante, mais j'ai pas fait vraiment gaffe à ce qu'ils avaient les autres. Plus 2 épées. Exploration, ouais. Non, on va plutôt prendre le forgeron du coup, ouais. Ça peut être pas.
pas trop mal. Alors par contre, je me souviens plus du tout où est le forgeron. J'aimerais bien un petit Oh non, je fais un joli déclin. Une potion, j'aimerais bien, non. Putain. Il est là. Ok, faut que je descende. Alors là, il y a Ambre. Ah, mais le plus court, c'est par là. C'est chiant. Alors on tente. Bon, déjà, on prend ça. Voilà, on va tenter de d'avoir un peu de... Oh non, il remonte sur moi. Ok. Ah merde, et en plus, j'ai le bol monstrueux que j'ai. Enfin, d'ailleurs, je vais pas avoir du bol. J'ai tiré que des objets en rapport avec le déclin, donc ce qui fait que je n'ai que des Léo à... Je peux avoir plus de boucliers, s'il vous plaît. Bah, je suis mort. Peut-être que je l'emmène dans la tombe avec moi. J'emmène dans la tombe. C'est pas si mal. Et du coup, ça me rapproche encore. Limite, ouais, c'est ça qui est pas mal. Ça me rapproche encore plus de ma quête. Alors, par contre, c'est un déclin. Un déclin. Oh là là, mais j'ai que du. J'ai pris que des objets et en rapport avec le déclin. C'est incroyable. Youpi, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut avoir autant de bol? Là par contre j'aimerais bien qu'il y ait un truc. Je vais voir si... En croisant les doigts pour qu'il y ait un... Je sais pas, on se défausse de nos cartes et tout ça parce que je... Ça sert à rien là. J'ai pas... En plus j'ai pas envie d'avoir du déclin là. Ils font tout pour me proposer du déclin, c'est ça qui est sympa quand même. On va répondre les peasants et les colonies, je suis désolé les habitants d'Armello, mais rien du tout, j'en ai rien à faire de vous en fait. Oh mais du coup je vais me trimballer avec ça, ça va être très très chiant. Confère poison pour plus épée au plus limité. Le vin chaud du déclin. Et le cadeau empoisonné. Sont quand même pas mal les illustrations, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'ils ont fait quand même du bon boulot. Les League of Geeks ont fait un excellent boulot. Alors on va essayer de... On va s'écarter du... des ruines à présent. Moins de santé. Bon, par contre j'aimerais bien le forgeron, donc du coup on va quand même le tenter. On croit au wield. Oh là là. Mais le wield est tellement serviable ces temps-ci. Hop là. Et on a plus rien à faire. Cétane. Alors l'écuyer, il peut être pas mal. On va se prendre l'écuyer. Bah, je vous rappelle que l'écuyer meurt à notre place si jamais on se fait avoir. Et ça, c'est plutôt... Et ça, c'est beau. Ah, elle a survécu. Ah oui, elle a vraiment survécu à... Est-ce que je peux la voir de là où je suis? Ou alors c'est la... C'est la... C'est la frontière. C'est la frontière. Et elle se barre, bien évidemment. Qu'est-ce qui est plus intéressant du coup, de passer par le nord ou par le sud? On va passer par le sud, je pense. On va passer par le sud. On va essayer d'avoir l'écuyer, puis ensuite on attaque le roi. Je pense que ce sera... De toute façon, ce sera le moment, donc... Par contre, j'aimerais vraiment me débarrasser de ça, quoi, parce que ça me servira à rien. Si j'attaque le roi et que je brûle ces cartes-là, ça va être pour lui. Donc, c'est tout bénef pour le roi, mais c'est à chier pour moi, en fait. Et surtout que je peux pas prendre de nouvelles cartes, c'est ça qui est chiant. Et je peux... Oh non, je peux pas utiliser... Ah ok, bon, bah, en fait, je suis obligé. Ah merde, mais c'est la peste. Oh, oh non, quel con! Ah bah non, en fait! Voilà, easy!
Et du coup, je me débarrasse de mes cartes. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est bon, ça. Alors, faudra juste espérer que le garde se barre à l'aube. Dans tous les cas, il devrait se barrer. Il me semble que tous les gardes ont... se barrent. Voilà. Travail. Il y a Barnabé. Ah. Ah! Ah! Il a récolté la prime. Et elle a fait zizir, à ce que je vois. J'aurais bien aimé qu'elle me fasse zizir à moi. Ah, mais Tan, il est. Ah! Tan est corrompu. Il y a peut-être moyen de récupérer quelques petits prestiges. Ah, se défendre de leurs mains. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me défonce des mains? Parce que j'aurais voulu. On va se défausser. On se défausse des mains. On s'en fiche en fait, du coup. Pour. Parce que j'aurais voulu voir si avec. Avec mon embrasement, j'aurais pu avoir. Tan. Mais bon, je me dis que. Je vais quand même. Je suis en train de réfléchir comment je peux faire rendre clean mes mains. J'essayais de faire un anglais. J'essaye de parler anglais, t'as vu. La ruse. Retire la prime, ça peut être pas mal. Mais par contre, c'est un truc. On prend un objet pour savoir si jamais on peut voir une petite. Ah, la save de Wild. Et un petit sort pour finir. Moins de déclin et au sol de poison. Ça, c'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal. On va se mettre là. Alors, Barnabé va essayer de m'attaquer à tous les coups. Je sens que c'est gros comme une maison. Ah, il est camouflé. D'accord, il est descendu. Donc quoi, en fait, j'aurais pu essayer de la... J'aurais pu la voir. Quoique, il va peut-être... Oula, mon gars. Si tu survis... Non, bah, t'as pas eu de bol. Sinon, je t'aurais... je serais venu prendre un peu... Un peu de prestige. Donc, je pense que de toute façon, on va également faire de même. Il me semble d'ailleurs qu'après cette quête, j'ai le droit à un pass pour le, la forteresse. T'as vraiment pas de bol. L'étranger est resté sur toi. Il me semble. Hein. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble que cette quête. Fear the night. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Non, mais dis-moi. Je veux savoir. On va garder du coup ce que j'ai. Je pense que je peux l'avoir easy, quoique. Attention, c'est des dés, c'est du hasard. Ah voilà, qu'est-ce que je dis? Attends, what? Oh non, par pitié. Le Will, normalement, tu pas le droit. J'ai perdu 3 de vie. C'était pas prévu. Et du coup, je reçois plus de... On va rester comme ça pour l'instant. Normalement, j'ai pas de problème. Un de magie. Pff, qu'est-ce qu'on a à perdre? On croit Wild. Mes amis? Mais what the fuck? Mais le Wild nous est tellement favorable. On va se placer là et on va attendre. Et il me semble que voilà, c'est ça. Alors j'espère juste que c'est la porte où je suis situé. Non. Aïe 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 aïe. Et Barnabé qui est toujours camouflé. Il est toujours camouflé, Barnabé? Il est toujours camouflé. Ah, ça c'est chiant. Il va s'attaquer au roi. Quoique, non, attends, il est sorti. Oui, il est sorti. Je peux tenter un truc du coup. Il y a moyen du coup que... Ah oui, mais il y a Ambre dans le sillage. Tired of my old declaration. Yes, an excellent choice. Je me prends un prestige en plus. Il y a Ambre qui se cache. Elle est là. Non mais pourquoi lui?
C'est elle qu'il faut. Alors, je veux juste voir... Barnabé, donc c'est Ambre. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a pas grand-chose. Ah ouais, mais elle a le... J'espère juste pas me le ramasser. Alors, j'espère juste pas avoir de... Bon, j'ai pas de PO. C'est pas mal. Toc. On va tenter le tout pour le tout. Elle a beaucoup de vie, mais peu de dés. Ça peut être un avantage pour nous. Et moi j'ai mon bonus de dés. On va juste utiliser ça. En espérant que elle ne soit pas affiliée avec le wield. Pour l'instant c'est plutôt pas mal. 6. Y'a moyen. Voilà. Et du coup normalement je récupère une prime également. Non, elle avait pas de prime. Ah, je pensais qu'elle avait une prime. My bad. Alors. Ah mais ils veulent tous. Fais le sortir. Quoi? Tu désertes ton... Oh non. Aïe. Aïe, ça va être une bataille, ça va être la bataille. Tan. T'as quoi comme objet? Le feu ne nous attaque pas, merde. Bon, il a juste un bouclier. Et il me semble qu'il est corrompu. Donc du coup, le roi peut avoir... Le roi a un avantage du coup s'il l'attaque. Et Barnabé. Il a également. Ok, donc Barnabé et Tan ont... sont corrompus. Dans les deux cas, le roi a l'avantage. Alors, faudrait que je tombe sur un bon truc. Je ne suis pas tombé sur un bon truc. 1, 2, 3. Ok, bon, on va essayer comme ça. On va sur colonie en même temps. Le truc, c'est qu'il reste plus que un point de vie. Ah merde, bah du coup, je me suis soigné. J'ai pris mon bonus. Ça s'attaque. Déjà, ça, c'est pas mal. Mais il me semble que lui... Ah non, oui, il a ouvert le passage. Donc du coup, il a plus besoin de faire un jet de dés. Plus 2 de spiritualité. Non, non, pas l'étranger, non. Oh non, putain. Pas l'étranger. Ça compromet mes plans. A new law. Why, yes. Éclat foudroyant. Oh yes. Under my name, it is law. Normalement, Barnabé meurt. Quoi? Quoi? Non, me dis pas qu'il... Non. Il lui restait trop de vie. Oh, je pensais qu'il était pix. Mais ça vous dirait d'être plus solide, les cocos? Du coup, je viens de retirer de la combativité au roi. Non. Oh. Ah, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Oh, j'avais... Oh, je vais avoir un truc assez original parce que je ne savais pas que le roi il pouvait jarter le l'étranger. Ah, ça c'est pas mal ça. Bon, alors après faut espérer que là le roi il s'en sorte. Your life ends here. Aïe aïe aïe.
Ah, j'ai peur pour le roi. Enfin, j'ai peur pour le roi, c'est pas que je veux qu'il gagne, mais... Non, bah alors... Ouais. Ça s'entretue. Je suis quand même sur le trône. Eh bien messieurs, Reeve est tout de même sur le trône d'Armello. Une victoire de prestige pour le clan des loups. Magnifique, magnifique, j'ai appris... Alors, c'est bien parce que j'apprends... À chaque partie, vous apprenez toujours des trucs incroyables. Je viens d'apprendre que l'étranger n'était pas permis d'entrer dans le château, c'est super. Alors après, c'est peut-être pourri, mais pour moi, c'est extraordinaire. Messieurs, c'était... un énième détrônage sur Armello en compagnie de Reeve du clan du loup. J'espère que cet épisode vous aura plu, parce que moi, il m'a plu. On se retrouve dans un prochain épisode, j'espère. Mais d'ici là, portez-vous bien. Allez, à qui, au revoir tout le monde.